C'est le mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Erling Haaland au Barça. Mais avant de parler d'Erling Haaland qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Haaland au Barça. Alors que la presse madrilène évoquait jeudi une offensive du Real Madrid pour Erling Haaland, les médias Pro Barça, El Mundo Deportivo et Sport révèlent ce vendredi que Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, s'est rendu mardi à Munich pour rencontrer le buteur du BVB, le Norvégien de 21 ans, Erling Haaland, l'actuel 4e de Liga. Le Barça veut lui proposer un contrat de 5 ans. Pour cela, l'opération totale pourrait lui coûter 300 millions d'euros. La question de l'avenir d'Erling Haaland provoque de multiples débats en Espagne, notamment au Real Madrid et au FC Barcelone. Alors que la presse madrilène évoquait une offensive du Real Madrid ce jeudi, les médias Pro Barça, El Mundo Deportivo et Sport avaient révélé ce vendredi que Xavi Hernandez, l'entraîneur des Blaugrana, s'est rendu à Munich mardi dernier avec Jordi Cruyff, le directeur technique du club catalan, pour rencontrer Erling Haaland, actuellement convalescent à cause d'une blessure musculaire, afin de lui proposer leur projet. Le Barça propose au buteur norvégien de 21 ans du BVB, Erling Haaland, d'être le grand meneur du nouveau projet et de s'entourer de jeunes joueurs de qualité qui peuvent à nouveau faire du Barça une équipe capable de gagner des titres. Erling Haaland à Barcelone, ça chauffe de plus en plus, ça devrait se faire lors du prochain Mercato Estival 2022. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée d'Erling Haaland au Barça est réellement et vraiment une bonne idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker, et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est logiquement, c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous les gars, je vous dis à la prochaine et salut.